Le sourire innocent va tellement me manquer. Oui, c'est ça. As-tu pour le carnet de la main supérieure? Repos. Voyons voir ce que vous avez fait de bon ici aujourd'hui. Comment ça? Mais comment avez-vous enregistré une... C'est pas possible ça. Vous avez enregistré la déposition là? Monsieur, mais c'est le monsieur là. Taisez-vous là-bas! C'est le monsieur qui va vous apprendre votre travail. Vous êtes incapable ou quoi? Écoutez, vous n'allez pas me créer des problèmes. Hein? Vous, vous venez d'ailleurs, mais moi je suis de ce village. Ici, la tradition se respecte. Est-ce que vous m'entendez? La tradition se respecte. Ça veut dire quoi? Vous me retrouvez l'enfant là tout de suite et vous me l'amenez ici. À vos ordres. En même temps, sinon je vous fous au nouf. Kouma. Disposez. Monsieur Avalo et sa femme sont là. Ils nous ont amené beaucoup de cadeaux. Je les introduis. Introduisez-les. Merci, maman. Monsieur Avalo, bonjour, maman. Soyez bienvenue. Merci. Vraiment, merci pour le cadeau. C'est un plaisir. C'est vraiment gentil. Vous allez vraiment nous manquer, surtout aux enfants. Mais la grande ville, elle est à des centaines de kilomètres du village. J'espère que vous allez revenir nous voir bientôt. On reviendra souvent vous voir. Monsieur Abalo, quel est votre nouveau poste? Je suis affecté à la direction générale en tant que directeur adjoint. Comme Marie vous l'a promis, nous reviendrons vous voir. Tout va bien ici, j'espère. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons récupéré un enfant in extremis qui était à un doigt d'être sacrifié. Mais pourquoi? C'est la pratique courante. L'infanticide rituel. Des enfants sont sacrifiés parce que les adultes les jugent de sorciers. Ah bon? Vraiment?
Cette stupide pratique continue toujours? Oui, malheureusement. Dans cette communauté, si un enfant naît par le pied ou par le siège ou avec des dents, il est sorcier. Ou s'il marche à 7 mois, c'est un sorcier. Mais gare à l'enfant dont la mère meurt en couche, c'est la totale. Mais c'est vrai, il faut qu'on leur explique que tous ces critères sont naturels et ne dépendent pas de l'enfant. Monsieur Abalo, c'est à vous de nous aider. Faites le plaidoyer auprès des autorités et des organisations internationales pour que l'ensemble des enfants partout puissent jouir effectivement de leurs droits de vie. C'est une lutte à laquelle j'ai participé personnellement. Vraiment, que Dieu vous entende. Que Dieu vous entende. Mère supérieure. Oui, Marie. Nous allons demander à partir. Déjà? Oui. Ah oui, il se fait tard. Vous êtes arrivés comment? Nous sommes arrivés 11e. Oh. Bonsoir, ma soeur. Ah, monsieur l'agent, merci pour votre disponibilité à vous exprimer ce matin. Ma soeur, les données ont changé. Nous sommes venus ramener l'enfant à la gendarmerie, maintenant. Mais pourquoi les formalités ont été faites? Je suis désolé, ma soeur. C'est des ordres reçus du supérieur. Où est-il? C'est de cela que nous discutons avec la mère supérieure. Le bébé n'a pas survécu, il était très faible. Quoi? Voudrez-vous nous montrer son corps? Quoi? Son corps? Son corps. Nous l'avons déjà enterré, je suis désolé, sincèrement. On ne pouvait le garder plus longtemps. Vous l'avez déjà enterré? Bon, c'est pas grave. Où vous l'avez enterré? Je veux voir sa tombe. Suivez-moi.